politique voleur et tout. C'est soit tout ou bien foutu dans prison. Et comme c'est si pas gain de choix. Ou qu'on bagay? Parce que l'autre voleur là gain la rien, l'autre semaine c'est quoi tourner photo section 9 pour passer France d'ailleurs. Gon chef qui d'ailleurs, gon chef qui charge la journal qui d'ailleurs. Ça veut dire que jodi hein, c'est soit nous tout les policiers voleurs ou bien nous foutu dans prison. Par contre, vous comprenez? Parce que un policier qui vole, c'est même solde gain avec chef de gang ka sa patte là. Nous devons fusiller ou bien nous foutre dans prison. Et mais comme ça que lié. Faut que bon policier commence à lancer opération, fusiller policier volé ou bien marrer policier volé. Même j'en ai besoin de fusiller policier, comment les bandits à Sapatio, ou bien foutre dans prison, c'est même opération que pour lancer. En entendant avec un pile intérêt, toujours direct. Alors, Premier ministre, Dr. Gary Conille, dans la cérémonie d'installation, nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, qui c'est effectivement DG Normil Rameau, qui est de retour, justement. Normil Rameau, nous avons garçon. Par contre, supporter, mais je trouve que nous avons. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à colliguer les informations, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour l'établissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le Budget. Monsieur le Directeur Général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, mon moment à vivre là pas à sous-estimer. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi là, effectivement, moi j'ai le sentiment que je n'ai pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi m'a suivi politique, des entités qui généralement a combattu une lotte arrivée en Tanyo. Il est arrivé, font compromis, son type de gouvernement de transition. Il est arrivé en tant que son premier ministre. Il est arrivé en tant que son gouvernement. Et je dis, il est arrivé en tant que son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sentis un mouvement et je me sentis que la population commence à reprendre confiance dans nous. Son gros responsabilité liée. Qu'on est grand pile dans nous qui a boumé depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile dans nous qui a fait un pile sacrifice depuis un pile d'années. Je me demande de nous qu'on ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancer.
Je suis content pile que je DG a accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde, nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait un, pour nous renforcer la police, là, pour nous battre la police, là, toute salle besoin pour faire travail. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières qui accompagnent le travail. Ça. Pour nous garder comment nous avons intégré l'armée mieux dans le combat. Pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire toute entité de l'État jouer au pour nous reprendre la zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la. Voilà, un chef qui a parlé là. Où sont ça? Bamson est un chef. Là maintenant, c'est directeur général de la police nationale. C'est actuel directeur général de la police nationale d'Haïti qui c'est DG Normil Rameau. Normil Rameau qui jeudi hein, a présenté et alors. Capable dit a fait discours ça dans la cérémonie d'installation et en avancé tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. D'accord. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'Excellence, le président du Conseil présidentiel, et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui traille la population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividales femmes actifs qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittaient caillou, qui décapitalisaient. C'est l'économie pays, paysan qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepter retourner la responsabilité, nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaît tout temps, c'est pour action. Nous pas gain ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doyon seul pour mener combat. Et c'est ensemble, Napka pote la victoire. Sem, frem, dame policier yo, moi sorti dans un trail la police là. Li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dans li. Moi connais souffrance yo. Moi vive en mauvaise condition yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandi ak criminel pa ka continuer touye nous, rache nous ak boule nous, j'en ouvle. Mais moi ça qui déjà tombé, pa doué jam effacer lan institution la police la. Famille yo ap jwenn si po ki la yote ki pi gros sacrifice ki un citoyen ak citoyen ka fè pou peyi l. Sa ki blessé, handicapé ap jwenn accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité
l'État central, le président conseil de transition, premier ministre, là, yo d'accord déjà et yo gen volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous bat bravo pour autorité centrale. Nous d'ailleurs nous tout bat bravo pour président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition travail avec la vie policière yo doit changer. Améliorer c'est pral yon nan pi gros choix le bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égales valeurs pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Voilà. Et c'était nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Alors, nous sommes dans des discours du nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Et discours président Couleuvre 7 Traitlan, plus 2 traites, fait 9 Traitlan, qui c'est Edgar Leblanc. En avancé. Ce jour du 21 juin 2024, au nom du Conseil présidentiel de transition, de clôturer cette cérémonie d'installation de M. Ramon Ormil comme nouveau directeur général par intérim de la Police nationale d'Haïti. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupe plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle.
le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti aux fins d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province, contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Conning n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration Conseil présidentiel Conning veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant-en-chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris des présumés assassins du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conning seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour me dire Jean-Pierre Aïla, nous besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré communauté, qui a arrivé dans zone abandonnée pendant que les exam y arrivé plus rapidement dans zone ça. C'est pour nous serrer plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai besoin d'un rapprochement avec la police. Là. Dans ce sens, ça, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Je veux
en m'adressant au directeur général Franz LB, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tout l'effort déployé dans une conjoncture particulièrement difficile pour soutenir la progression des gangs armés dans la zone métropolitaine. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles, le pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH. Ainsi, vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution, seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population Upton. Voilà, et justement, jouette pour population Upton. Et c'est lui-même. Et chaque discours, monsieur, toujours fini avec une parole qui est extrêmement importante. Bon, parce que. C'est une capacité ça, naturellement. Si on a besoin de river là, tout. Bon, river là. River là, fèche le bon garçon. Sauf que, de ces résultats, nous avons cherché nous-mêmes. Le ministre, jette pour vous, population en la main. Eh bien, population, DGA tout. Il faut que la population connaisse que DGA en la main tout. Parce que la police n'a pas fait sans information. La police n'a pas fait sans nous capable de renseignement. Et la police a fait, et Jean le fait là. On nous garde encore une fois, directeur Normil Rameau, qui t'a humilié, ancien volo, ou bien volo, fantôme section 9 là, qui est le France LB. On nous garde comment déjà Normil Rameau t'a humilié volo. Voilà. Il pas bail la main avec Volo. Il dit bravo avec DG Normil. Maintenant nous attendons DG Normil ça qui sous conseil présidentiel cette tête là. Maintenant on a regardé Normil Rameau qui t'a prend installation sous président Jovenel Moïse. Pour moi même c'était plus belle, plus bien présenté. On faut attendre Normil Rameau à l'époque. Attendez ça et regardez monsieur. Ça c'est sous président Jovenel Moïse. On regarde ça avec un peu d'intérêt. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Madame la Représentante du Secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les honorables juges, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le commandant en chef des forces armées, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Monsieur le police commissionnaire Tubinu, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020. Voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la juin 1995, Tubinu, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la pandémie de la COVID-19, ne pas répondre à l'appel du devoir patriotique pour célébrer avec vous cette journée qui revêt un caractère aussi symbolique dans la vie du peuple haïtien et du personnel policier en particulier. 25 années de lutte, de sacrifices, de pleurs, de déceptions, de critiques, de résistance, de fierté, d'espoir, de construction, et j'en passe.
L'histoire de l'humanité, mesdames, messieurs, ainsi que celle des institutions, est un cumul de six épreuves qui définit au bout du compte la qualité et la valeur de ceux et celles en situation d'action. Notre histoire nationale, quant à elle, est une querelle de refaits d'armes réalisés par des hommes et des femmes dont l'analyse des caractères et comportements nous inspire respect et admiration au regard des conditions générales d'action. Le regard tourné vers ce passé glorieux, héroïque, nous convie, mesdames, messieurs, en tant qu'acteurs du présent, à questionner la justesse et l'exactitude de nos engagements actuels au regard de notre vaillante histoire de peuple. À ce carrefour de la révisitation de la mémoire des héros de notre passé, tant lointain que proche, il nous a été amené à porter une rupture dans la continuité quand, en 1995, la force des choses devait conduire à la création de la toute première force de la police nationale et à la démobilisation des forces d'armée d'Haïti, tout un symbole. Haïti naquit sur fond de lutte émancipatrice, à haute dimension spirituelle. Alors, ma rappelle, nous, c'était Normil Rameau qui t'a préinvesti comme nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. C'est en 2020, sous président Jovenel Moïse. Normil Rameau, ça que classe politique l'a été pète à coup sourire parce que, pas oublier, monsieur sorti au niveau de la DCPJ, de DCPJ pour le montrer comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Que sauté total, panique total, bon côté les assassins et qui t'a assassiné mon dans le pays. Parce que, on connaît que Normil Rameau, il y a un pile dossier, n'y a pas Normil Rameau couchat, n'y a pas voulu pour que Normil Rameau, eh bien, commence à râler. On sait des dossiers au niveau de la DCPJ pour commencer à mettre code dans le coup, on sait des nègres dans le pays. Mais naturellement, nèg yo et gon volo qui est Joseph Jout, un chef de gang, un assassin, un criminel, un volé, un pas sérieux. Et bien naturellement, monsieur, t'es vraiment humilié, directeur général à l'époque. Entendez, Normil Rameau, et Peppa Issa qui t'a fait parler. Ya. Très intéressant. Et alors, c'était pour fête la police nationale d'Haïti. 12 juin 2020, entendez Normil Rameau, très intéressant. Fondatrice même d'une nouvelle humanité, porteuse d'espérance et d'espoir pour les peuples opprimés. Mesdames, messieurs, il est malheureux, voire peiné, de constater que trop souvent, nos institutions de services publics doivent faire les frais des égaux des uns et des autres. Elles sont prises en otage par des intérêts mesquins, partisans, claniques de lutte politique sans grandeur. Elles sont détournées de leurs missions et objectifs et tiraillées, les membres incompris, écartelés en général, manipulés, divisés, en paient le prix fort de critiques infondées, sans rapport avec les causes et leurs faiblesses. Quand le personnel d'une institution comme la police nationale d'Haïti doit faire face à de telles situations, c'est la pagaille et le chemin scabreux du désordre, de l'indiscipline et de la faiblesse assurée. Dans un tel cas, c'est le retour à notre devise nationale, l'union fait la force, qui reste et demeure l'orientation cardinale pour nous permettre de résister et de retrouver la voie de notre mission et agir suivant l'idéal de service pour lequel nous avons juré à travers la prestation du serment de prise de service. La situation actuelle du pays et la réalité de la PNH nous invitent à réfléchir et à répondre à la question posée tantôt. Où en sommes-nous dans ce noble idéal de service public de la protection des vies et des biens? Il nous faut tous, en notre fort intérieur, prendre le temps d'un exercice de conscience par une autocritique d'honnête. L'événement nous invite à cette introspection. Ils sont nous donc à la hauteur des sacrifices des pères fondateurs de la nation pour répondre et prendre le virage qu'implique la conjoncture. Policiers, policières, membres de la grande famille de la PNH, au moment de souffler les 25 bougies d'anniversaire de la PNH, nous éprouvons certainement un sentiment de fierté d'appartenir à une institution qui représente la colonne vertébrale de notre jeune démocratie. Très bien. Et justement, c'était directeur Normil Rameau à l'époque qui était, alors pour 25e anniversaire
de la police nationale d'Haïti et c'était en 2020, d'accord? Naturellement, il était prend des classes, il prend la parole. Mais à nous faut attendre. C'est la bataille a commencé. Alors, non, Mil Rameau décide de faire France LB ça aujourd'hui. Mais raison qui on parle nos raisons qui cause non Mil Rameau fait France LB ça aujourd'hui. Regardez pour. On regarde ça le fait là et on parle nos raisons. On va le faire Noël. Étendez-le. Il y a un monsieur là, monsieur, on a un temps qu'on vole. Vole lié. Vole lié. Il y a un temps.